Troisième séance d'affilée dans le rouge à la Bourse de Paris. Elle perd 0,44% à 3961 points. Plusieurs coups ont été portés au CAC 40 aujourd'hui. La Banque Populaire de Chine a pour la troisième fois de l'année relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point. Aux États-Unis, l'activité dans le secteur des services encaisse un repli plus important que prévu. Mais le plus gros choc vient du Portugal. Moody's a abaissé la note du pays de 4 crans. Elle passe de BAA1 à BA2. Après les avancées sur le dossier grec la semaine dernière, l'agence de notation ravive le spectre des craintes sur la crise des dettes souveraines dans la zone euro. Du coup, les valeurs financières accusent le coup. Crédit Agricole chute de 4,88%, Natixis de 3,51%, Société Générale perd 2,15% et BNP Paribas 1,41%. Carrefour plonge de 3,77% après l'entrée à la Bourse de Madrid hier de sa filiale low cost DIA. Par ailleurs, le leader européen de la distribution est en conflit avec son concurrent Casino. Carrefour est en négociation actuellement pour un projet de fusion avec le distributeur brésilien Grupo Pão de Açúcar, groupe dans lequel Casino est actionnaire. Alcatel-Lucent termine en tête du CAC 40 avec plus 1,35%. Sur le premier semestre, le titre bondit de plus de 83%.